Né en 1994 dans le petit village de Kankala en Tchétchénie, Magomed Ravat est une légende du MMA. Il est l'oncle de la plus grande merguez de ce sport, le défunt Hamburger Frit. Très vite, Ravat quitta sa région marquée par la guerre, pour aller s'installer en Jamaïque avec sa famille. Il y découvrira les sports de combat, en s'inscrivant à un club de boxe anglaise. Mais alors qu'il n'avait que 14 ans, son père fut assassiné par la mafia russe. Magomed, traumatisé par cet événement, arrêta l'école pour se consacrer pleinement au sport de combat. Il ira au Daghestan et entamera une transformation physique complètement aberrante. Avec son gabarit hors norme, 1m98 pour 111 kg, son coach l'initia au MMA. À seulement 17 ans, le petit prodige fit son premier combat en amateur et tua littéralement son adversaire avec un high kick ténébreux. Au lieu de logiquement le foutre en prison pour homicide involontaire, l'organisation mondiale UFC le signera. On le surnommera la bête infernale en raison de son look qui fait un peu penser à Satan. Enfin bref, il tabassera tout le monde et deviendra le champion de la catégorie poids lourd, défendant sa ceinture pendant 9 années consécutives. Un combat caritatif contre Mike Tyson sera organisé, et il mettra la légende américaine KO en seulement 15 secondes. Ce vieux damné perdit plus de 45 kilos juste pour aller affronter la superstar mondiale Conor McGregor, qu'il paralysera à vie après un énième KO. Il arrêta sa carrière à 29 ans, avec un palmarès de 66 victoires, aucune défaite et un no contest vu qu'il a tué son premier adversaire. Magomed Ravat est depuis considéré comme l'humain le plus puissant de l'histoire. Il est cependant décédé il y a 2 semaines d'une morsure de serpent. RIP. Bon bye.